Alors, la relation que les internautes, les consommateurs, les utilisateurs, appelons ça un peu comme on veut en fonction du point de vue et du regard qu'on peut avoir, veulent avoir de plus en plus de conversations sur des sujets dits divertissants, comme le sport, l'industrie du jeu vidéo, mais aussi l'industrie de la musique. Et donc, c'est ces conversations qui naissent sur les plateformes sociales ou sur les différents supports qui sont amenés à proposer du contenu. Qui vont générer en fait des conversations entre les utilisateurs. Et donc le lien finalement, il est là, c'est que les réseaux sociaux sont une branche intrinsèque du divertissement. Alors la collaboration entre le groupe de rap PNL, le duo mythique de rap français, si on peut appeler ça comme ça, parce que finalement, par leur histoire et par la stratégie marketing qu'ils ont aujourd'hui, indirectement, c'est un groupe mythique, parce qu'aujourd'hui, ils proposent des manières de faire qui n'ont jamais été vues ou même réalisées auparavant. Et le fait de s'associer avec Netflix pour distribuer un contenu rediffusé, c'est assez inédit, puisque finalement, ils tiennent en haleine leur communauté sur quelque chose qu'ils n'auront pas créé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette collaboration, c'est le replay en fait du concert qu'ils ont donné un an auparavant. Ils l'ont diffusé de manière exclusive, teasant quelque chose d'original, de type création de contenu original. Et finalement, ça ne l'est pas. Parce que quand on regarde les conversations que ça a générées et ce que les internautes en ont pensé, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'inédit. Et finalement, c'est une rediffusion. Donc je dirais qu'ils réussissent toujours à attirer l'attention sur leur histoire, qu'il s'agisse de musique ou d'autres finalement, parce que le storytelling, il tient sur la musique, bien évidemment, mais il repose aussi sur la manière de faire dans leur stratégie business et leur stratégie marketing à grande échelle, comme on a pu le voir avec le cas d'Uber. Alors, ce qui est intéressant dans ce partenariat finalement assez stratégique, on se rend compte qu'un acteur comme Google, qui rachète Waze bon, il y a quelques années maintenant, fait appel à un artiste rap, hein, par définition, pour venir introduire sa voix, prêter sa voix sur une application très utilisée. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que Lorenzo, quand il a créé sa voix sur son GPS, c'était une vidéo en story sur son compte Instagram. Il ne pensait pas que la viralité serait telle. Et quand Waze fait appel de manière plus officielle à lui, on se rend compte que le pic de téléchargement augmente et finalement devient très viral. Donc, ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est comment les plateformes s'entremêlent entre elles, puisque Google, qui fait appel à Lorenzo, qui historiquement a créé ce contenu sur Instagram, bah, ça crée forcément de la viralité. Et de la coolitude, on va dire, à Waze, qui est une application, encore une fois, qui est très très utilisée à l'échelle du monde. Alors, je pense que Colors, initialement, a une stratégie qui s'oriente autour des artistes, puisque c'est quand même un média aujourd'hui qui est orienté autour de la musique, tantôt indé, tantôt grand public, média berlinois qui favorise en fait la mise en relation d'artistes par le biais de découvertes, donc de contenus vidéo assez riches et toujours sensationnels. Donc c'est assez intéressant de se concentrer sur cette plateforme. Et puis le fait de regarder un artiste comme Fari, puisque pour moi, être humoriste, c'est être un artiste, c'est assez différent. Et finalement, on comprend qu'il y a ces cross-plateformes qui se rencontrent. Et là où un Fari est très puissant déjà tout seul quand il fait ses shows, arrive sur une plateforme où il n'est pas forcément attendu, bah, ça crée de la surprise et ça crée du contenu qui va être beaucoup plus viral. Le petit conseil, je pense que ce serait d'être toujours curieux, de savoir ce qui se fait, ce qui est novateur et là où les marques peuvent être pertinentes. On oublie souvent la notion de brand culture et je pense que la culture d'une marque doit être très importante, d'autant plus que la crise l'a montré. Aujourd'hui, finalement, c'est la culture d'entreprise qui va poser les fondamentaux de la communication.
au même titre qu'une culture, une politique de recrutement. Je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour pouvoir installer sa communication d'entreprise.